Bonjour, aujourd'hui je vous présente le jeu Licorne dans les nuages, bienvenue à Rosalie, un jeu coopératif à partir de 4 ans pour 2 à 4 joueurs et une durée de partie d'environ 15 minutes. Rosalie est un bébé licorne qui arrive dans le pays des nuages. Pour lui souhaiter la bienvenue, vous lui préparez une petite fête. Mais le temps presse, vous devez avoir tout préparé avant son arrivée. Le plateau se compose en 4 parties avec une flèche à poser au milieu. Le bébé licorne se place sur le nuage le plus en haut à droite. Chaque joueur choisit une licorne qu'il place sur le château des nuages en bas à gauche. Les tuiles d'amis rondes se placent face cachée sur les nuages jaunes avec les pots de fleurs. Chaque joueur récupère devant lui une tuile d'amis face visible, les autres tuiles se posent près du plateau de jeu. Si vous jouez à deux, chacun récupérera deux tuiles devant lui. On place également près du plateau les cristaux de nuages et le dé. L'objectif est de récupérer les amis sur les nuages pour les placer autour du nuage de fête et récupérer tous les cristaux de nuages pour les placer ici sur ce nuage-là avant que Rosalie ne rejoigne la fête. Chaque joueur à son tour va lancer le dé. Si vous tombez sur 1, 2 ou 3 nuages, vous avancez votre licorne de nuages en nuage sur le chemin que vous voulez. Donc là, il peut démarrer par là ou il peut démarrer de ce côté. Ici, il y a un croisement, il peut aller par là ou il peut continuer de ce côté. Si vous tombez sur un nuage rose, par exemple, il aurait fait 2, il arrive sur un nuage rose, il faut faire tourner la roue de la chance qui indique le nombre de cristal à déposer sur le nuage de cristal. Donc ici, bon, il était plutôt sur le 1, il en récupère un et il le pose là. Si vous tombez sur un nuage jaune, vous retournez la tuile. Si l'ami que vous retournez est celui de votre tuile carrée, si c'est celui du joueur, il va pouvoir le placer ici. Là, ce n'est pas le cas. Le joueur bleu, c'était la petite souris avec la trompette. Donc, dans ces cas-là, c'est celui. Il regarde si c'est celui d'un autre joueur. Effectivement, c'est celui d'un autre joueur. Donc, il le remet face cachée. Il va falloir que ce joueur retienne que c'est ici que va se trouver sa tuile. Si, par contre, il était tombé sur une tuile amie qui se trouve en haut, il va pouvoir placer également la tuile ronde dans un des emplacements autour du nuage de fête. Enfin, si vous tombez sur un nuage gris, donc sur le dé, vous pouvez vous rendre sur un nuage rose ou jaune de votre choix sur le plateau. Par contre, attention, si vous tombez sur le bébé licorne, vous avancez Rosalie d'un nuage. Quand tous les amis ont été placés et les cristaux tous récupérés, rendez-vous tous au nuage de fête. Donc, on doit avancer sa petite licorne pour aller rejoindre le nuage de fête. Et si vous y arrivez tous avant que Rosalie arrive à la fête, vous remportez la partie. Un jeu très coloré qui plaira énormément aux enfants avec des parties rapides qu'ils prendront plaisir à refaire. Retrouvez Licorne dans les nuages à la médiathèque et moi je vous retrouve prochainement avec un nouveau jeu.